et on se croise et on se donne rendez-vous. C'est le lieu des marchands dans ces années-là. Ça va être là que la municipalité va construire son nouveau bâtiment. Enfin, c'est un endroit évidemment très très emblématique. Quand les Britanniques arrivent, vraiment quelques jours après l'arrivée d'Allenby, on a déjà des témoignages. Allenby lui-même est horrifié à la vue de cette tour de l'horloge. Ronald Store, qui est le premier gouverneur qui arrive, encore plus, parle d'une verrue sur les murailles antiques de Jérusalem. Ce qui est évidemment idiot, puisque les murailles ne sont pas antiques. Tout le monde le sait, c'est des murailles ottomanes. Donc c'est un monument ottoman sur les murailles ottomanes de Jérusalem. Mais voilà, c'est vrai que c'est un monument qui est manifestement ottoman, plus encore que les murailles. Et ce monument heurte vraiment la vue des nouveaux occupants anglais et notamment de la Pro-Jérusalem Society qui va s'occuper de la première phase de patrimonialisation à Jérusalem après la Première Guerre mondiale. Et donc il est détruit, comme vous le savez, en 1922. Donc cette tour de l'horloge a disparu. Elle a eu vraiment une durée de vie très très courte. Et Jérusalem 1900 aussi. Donc la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi rapporter l'histoire de cette horloge? Pourquoi ne pas l'oublier, la passer par perte et profit? On revient donc à la question de cette utilité. Eh bien, cette autre horloge est utile, peut-être, pour l'historien, parce qu'elle nous révèle des informations inédites, inattendues, sur l'histoire de Jérusalem à cette époque, et notamment sur l'idéologie ottomaniste, c'est-à-dire sur ce projet politique faisait la cohérence de l'Empire ottoman, dont on a beaucoup dit à propos de l'Empire ottoman qu'il était en décadence inéluctable depuis le XVIIIe voire le XVIIe siècle, qu'en fait le XIXe siècle va être la suite de cette décadence jusqu'à la chute de l'Empire au moment de la Première Guerre mondiale, mais qui en fait, cette idéologie ottomaniste, on sait maintenant que la fin du XIXe siècle est justement un peu le champ du cygne de cet impérialisme ottoman. Et que à partir du mouvement des jeunes ottomans, notamment dans les années 1850, du mouvement jeune turc dans les années 1870, l'ottomanisme, en tant que utopie supranationale, c'est une utopie impériale, impérialiste, qui, comme toute utopie impériale, a pour vocation, c'est l'alpha et l'oméga de toute utopie impériale, de dépasser, de coiffer les nationalités. Cette idéologie ottomaniste connaît, à la fin du XIXe siècle, un regain très important. Et jusqu'au début du XXe siècle. Cette tour de l'horloge, elle nous permet aussi d'insister sur la diversité du mouvement jeune turc. Le mouvement jeune turc n'a pas bonne presse à Jérusalem, et c'est normal. Parce que, comme vous le savez, en 1912-1913, c'est l'aile autoritaire, turquiste, nationaliste, qui prend le pouvoir à l'intérieur du mouvement jeune turc et au sein du gouvernement ottoman. Et un certain nombre d'habitants de Jérusalem vont en pâtir très gravement de cette prise du pouvoir de l'aile turquiste nationaliste au sein du gouvernement ottoman, notamment les Arméniens et les Juifs pendant la Première Guerre mondiale. Donc, la fin de l'histoire du mouvement jeune turc a jeté vraiment une lumière très sombre sur l'histoire du mouvement jeune turc. Mais, à la fin du 19e et au début du 20e siècle encore, l'aile, disons, libérale fédéraliste du mouvement jeune turc était très importante. C'est même elle qui était au gouvernement jusqu'en 1912. Et cette aile libérale fédéraliste, dans toutes les cellules du mouvement jeune turc, dans tout l'Empire, était évidemment particulièrement représentée dans les villes où il y avait le plus de minorités ethniques et religieuses, Salonique, Alexandrie, Jérusalem, Beyrouth. C'est là qu'on trouvait les Grecs, les Arméniens, les Arabes, les Juifs, toutes les minorités nationales de l'Empire. Cette tour de l'horloge, elle est évidemment emblématique de ce moment libéral fédéraliste dans l'histoire jeune turc. On a la preuve, d'une certaine manière, de ce dynamisme, juste un an après l'inauguration de la tour de l'horloge, au moment de la fameuse révolution jeune turque de 1908. La révolution jeune turque de 1908 se passe à l'échelle de tout l'Empire. Un chapitre du livre lui est consacré, pour ce qui est de Jérusalem. C'est vraiment un chapitre oublié de l'histoire de Jérusalem. Or, j'ai découvert que, en vérité, les habitants de Jérusalem avaient avec beaucoup d'enthousiasme, avaient fêté la révolution de 1908. Alors, c'est quoi la révolution de 1908? C'est le rétablissement de la constitution
de 1867. Donc, c'est d'une certaine manière une révolution constitutionnelle, avec une mise de côté du sultan et un régime constitutionnel qui est rétabli. Et avec la mise en avant de l'égalité de tous les citoyens, quelle que soit leur religion, leur race, etc. Donc c'est vraiment. C'est l'ottomanisme parachevé, juste avant qu'il meure, mais voilà, débarrassé justement de toute entrave religieuse. Toutes les sources concordent pour nous dire que pendant 10 jours et 10 nuits, on a des scènes de liesse populaire, des manifestations, des processions, des créations de journaux, des prises de parole dans les rues, dans toutes les langues. On a les gens parlent en arménien, quelqu'un traduit en grec, traduit en arabe, traduit en hébreu, pour traduire par exemple la devise de la révolution des Turcs, liberté, égalité, fraternité, justice, hein, c'est la marque Jeune Turc. N'oublions jamais que le mouvement Jeune Turc a été fondé le 14 juillet 1889, commémoré la Bastille. Hein, donc on est vraiment dans une histoire, dans cette histoire européenne de l'Empire ottoman, de l'Empire ottoman tardif. Au moment de cette révolution, donc au mois d'août 1908, on a donc cette liesse populaire, cette presse d'opinion qui se développe, notamment à Jérusalem, et un certain nombre de phénomènes inattendus pour nous qui les observons de 2013 apparaissent. Notamment des conflits de classe avec des grèves intercommunautaires, des pétitions pour une réforme fiscale plus favorable aux classes populaires. Je ne rentre pas dans les détails, mais on se rend compte que ces conflits de classe sont vraiment des conflits de classe. C'est-à-dire que les barrières interreligieuses ou intercommunautaires n'entrent pas dans les débats de ce moment-là. Hein, c'est les riches et les pauvres. Donc c'est les artisans et les administrateurs. Voilà, ce sont des catégories sociales. Et puis, des conflits interreligieux, mais qui ne se déroulent pas selon les schémas que l'on pourrait attendre. Donc je raconte cette anecdote qui n'est pas beaucoup plus qu'une anecdote dans le livre, c'est le récit de la procession. Il y a une procession de jeunes juifs orthodoxes en août 1908, donc pendant la Révolution. Tout le monde processionne, hein, et tout le monde processionne sous ses propres couleurs. C'est-à-dire qu'on est dans l'affirmation des différences. On est tous ottomans, mais en même temps, on est à nouveau très arménien, très grec, très, très arabe, très juif. Et donc il y a une procession juive avec donc étendard en tête, Magen David doré sur fond bleu. Vraiment une procession explicitement juive qui, puisque la constitution ottomane proclame l'égalité de tous les citoyens ottomans, décide de se rendre sur l'esplanade des mosquées, lieu interdit aux juifs, comme vous le savez, à l'époque ottomane. Les témoins nous disent qu'ils sont accueillis à bras ouverts par toutes les autorités de l'esplanade des mosquées, qu'ils passent l'après-midi pour leur servir des rafraîchissements, des gâteaux, etc. Ils repartent de là très très heureux. Et tellement heureux que le lendemain, ils se disent, on va aller dans le deuxième lieu qui nous est interdit, en tant que juifs, le Saint-Sépulcre, bien sûr. Mal leur en a pris, évidemment, puisque là, ils se font casser la gueule par, notamment, les moines grecs qui les attendent. Donc, voilà, cette histoire, alors sans forcément la monter en épingle, mais voilà, elle se déroule quand même selon des schémas inattendus, par rapport à aujourd'hui. Elle nous rappelle que la force de l'antijudaïsme chrétien à la vue du XXe siècle, avant le tabou de la Deuxième Guerre mondiale et de la Shoah, est extrêmement prégnante, et que la base de l'antisémitisme, c'est bien l'antijudaïsme chrétien. Et que, en vérité, le projectionnisme est encore assez balbutiant, assez peu visible, et en fait, ne nourrit pas encore l'antisémitisme. Voilà, donc, des moments qui permettent d'apercevoir, hein, des morceaux de vérité de l'histoire de Jérusalem qu'on n'attend pas forcément. Donc voilà, première condition de possibilité, casser un rapport intuitif que l'on a au temps ou à l'histoire, hein, qu'on pourrait appeler causaliste ou finaliste ou théologique, peu importe, c'est-à-dire cette idée que les causes et les effets s'enchaînent de façon tout à fait logique, sans jamais de bifurcation, et que voilà, si on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, ben, c'est bien que tout devait y conduire tout à fait naturellement. Donc voilà, une histoire qui prend au sérieux les futurs du passé, les promesses non tenues du passé. La révolution de 1908 à Jérusalem en est une, et la révolution de 1908 à l'échelle ottomane d'ailleurs, tout entière en est une, qui s'est
qui a échoué, qui a totalement échoué, qui s'est prise en pleine figure la montée des nationalités, qui est un phénomène qui, évidemment, est venu rompre cette histoire. Mais j'insiste sur le fait que ce postulat n'est pas un parti pris méthodologique, théorique ou nostalgique. C'est une posture historienne pragmatique parce qu'elle permet d'apercevoir des réalités rendues invisibles justement par la suite des événements. Deuxième condition de possibilité, donc première condition de possibilité, hein, on va dire un certain rapport au temps, c'est-à-dire arriver, faire l'effort quand on travaille sur 1900, de travailler vraiment sur 1900 et pas sur 1900 et après, à partir de cette vérité toute bête, mais que tout historien doit se répéter à chaque minute, et même en se la répétant, il l'oublie, c'est que les hommes de 1900 ne savaient pas ce qui se passerait en 2013 et même pas en 2001. De même que ce soir, nous ne savons pas ce qui va se passer la semaine prochaine, que ce soit au Mali ou à Gaza ou ailleurs. Nous ne le savons pas. Et donc nous agissons tous, à l'échelle de nos responsabilités, dans cette incertitude totale. Les hommes font l'histoire dans l'incertitude totale de ce qui va arriver. Il faut vraiment tenir fortement cette certitude-là. Donc, première condition de possibilité, un certain rapport au temps. Deuxième condition de possibilité, je dirais, un certain rapport à l'espace. Vous voyez, j'ai passé complètement emporté dans mon enthousiasme, j'ai passé cette diapo sur l'ottomanisme. Voilà, ça c'était une très belle carte postale de 1895 sur la première constitution ottomane de 1876. C'était juste pour vous montrer la diversité des drapeaux hein, sur la gauche, hein, des drapeaux turcs, des drapeaux arabes, un drapeau grec, notamment. Évidemment, la constitution qui brise les chaînes de la nation, comme vous voyez là au premier plan. Et puis, ça, c'est une carte postale qui a été très largement diffusée au cours de l'été 1908. Hein, vous pouvez voir, liberté, égalité, justice, fraternité. Alors, parfois, c'est liberté, égalité, fraternité, justice, ou liberté, égalité, justice, fraternité, vive la Constitution. Donc voilà, avec toujours ces deux drapeaux, hein, l'union hein, des Turcs et des Arabes dans ce contexte très, très précis hein, de 1908. Voilà, pour montrer quand même la réalité hein, de cette carte postale, elle a été posté en Isère. Correspondant aux montagnes de l'Isère. Deuxième condition de possibilité, donc, le rapport à l'espace. S'extraire des catégories toutes faites, des cadres conceptuels actuels, pour apercevoir les catégories des acteurs de l'époque, et en particulier les catégories spatiales. C'est encore, évidemment, une des grandes questions de l'historien. Si vous demandez aujourd'hui à quelqu'un qui a passé quelques jours à Jérusalem de décrire l'espace de Jérusalem, il va vous dire deux choses. A priori, il va vous dire qu'il y a quatre quartiers, bla bla bla, et il va vous dire qu'il y a des lieux saints partout. Ils sont très anciens. Et c'est vrai. Il aura très correctement visité la ville de Jérusalem en 2013. Il aura eu un ressenti tout à fait exact de la situation actuelle. La question qui se pose, c'est est-ce que cette représentation, relativement exacte en vérité, de la ville de Jérusalem aujourd'hui, était celle des acteurs, des habitants, des résidents de l'époque. Cette question des catégories de représentation, de projection spatiale, est particulièrement essentielle pour ce qui concerne Jérusalem. Il n'y a peut-être pas d'autre ville au monde qui soit, comme Jérusalem, à ce point, recouverte de discours, de textes, de projections, de fantasmes. On le sait tous,